Alors, pour les 20 ans de la Journée européenne des langues, évidemment, je vais me mettre du point de vue de la bibliothécaire et j'observe les documents, les best-sellers qui ont caractérisé ces 20 dernières années, qui sont sortis à peu près il y a 20 ans. Je pense à deux documents, un livre et un film. Le film, c'est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Qui est un film qui représente de façon charmante, pleine de stéréotypes, pleine de charme, avec une musique extraordinaire, La ville de Paris. Et un autre document qui est un livre qui est comme un roman de Daniel Pennac et qui est une espèce de manifeste au plaisir de la lecture, pour le plaisir de la lecture, pour le plaisir de parcourir des livres, de lire des pages, de profiter d'un livre et qui contient les 10 droits inaliénables du lecteur. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de l'actrice protagoniste du fabuleux destin d'Amélie Poulain? Est-elle Marion Cotillard, Audrey Tautou ou bien Laetitia Casta? À vous de jouer.